Grâce et paix nous soient données de Dieu notre Père en Jésus-Christ. Amen. Heureux de vous retrouver, heureux de nous retrouver pour ce culte cantate. Bienvenue à vous, musiciens, par les instruments ou par la voix. Bienvenue à vous, paroissiens de Malagnaud, Champel, Eau-Vive, Arves. Bienvenue à vous qui êtes là pour la joie, pour partager la joie de ce culte cantate. Lorsque nous sommes rassemblés, nous avons l'habitude d'invoquer la présence de Dieu, d'inviter Dieu à nous rejoindre. Mais en vérité, c'est lui qui nous précède. C'est lui qui nous accueille, lui qui nous dit « Je suis là, je t'attends, je vous attends. Je suis au milieu de vous et je vous entends. Je vous offre ma parole et ma bénédiction. Je vous offre des témoins, ceux d'autrefois, ceux d'aujourd'hui. Je vous offre le silence du recueillement et la musique de la louange. Et plus que tout, je m'offre moi-même en vous et entre vous. Alors, Père, nous voici, là où nous sommes, là où nous en sommes, chacune, chacun de nous, rassemblés au nom de ton Fils, notre frère en humanité, nous t'en prions. Conduis-nous toujours pleinement vers nous-mêmes, les uns vers les autres, et ensemble vers toi, notre vie. Toi qui as fait le pas de venir à nous en Jésus-Christ. Et la première bougie de l'Avent nous oriente à ta venue. Amen. Et cette venue de Dieu en Jésus-Christ, cette venue de Dieu parmi nous, eh bien nous allons la chanter maintenant par l'un des plus beaux et plus anciens cantiques de l'Avent. Viens à nous, ô Rédempteur. Thank you.
Avant d'introduire la cantate de ce jour, prenons encore le temps de la louange. Avec l'évangéliste Jean, en ce premier jour, premier dimanche de l'Avent, nous voulons louer la parole de Dieu qui prit corps en humanité, pleine de grâce, pleine de vérité, pour révéler le Père. Avec l'évangéliste Matthieu, nous voulons louer le Fils d'Abraham et Fils de Dieu, en qui furent accomplies les prophéties et les promesses, non seulement pour le peuple de l'Alliance, mais pour toutes les nations. Avec l'évangéliste Luc, nous voulons louer le Fils d'Adam et Fils de Dieu, venu manifester parmi les humbles et les humiliés la puissance libératrice de Dieu et son souffle de vie. Et avec l'évangéliste Marc, nous voulons louer le Fils bien-aimé, mais caché de Dieu, celui qui sur la croix révéla sa véritable identité, ouvrant aux humains sur la terre le chemin du royaume. À Dieu, Père éternel, à Jésus-Christ, Fils de Dieu et frère en humanité, à l'Esprit du Père et du Fils qui nous ouvre la voie, nous rendons gloire et louange. Amen. Quelques mots sur la cantate que nous avons le plaisir de chanter et d'entendre chanter aujourd'hui. La 37e cantate, enfin c'est pas la 37e dans l'ordre de création, on les a numérotées plus tard, mais la 37e cantate de Bach fut composée pour le jour de l'Ascension, la première année d'activité de Bach à Leipzig. C'était en mai 1724. Et 7 ans plus tard, Bach la fit réentendre pour la même fête. À vrai dire, la relation entre la fête de l'Ascension et le livret de la cantate n'est pas évident au premier abord. Mais le lien sous-jacent, c'est probablement que depuis l'Ascension, en l'absence visible de Jésus, remonté auprès du Père Céleste, ce sont la foi et le baptême qui est le signe visible de la foi, ce sont la foi et le baptême qui attestent aux fidèles l'amour que Dieu lui donne en Jésus. Durant la vie présente ici-bas, avec ses épreuves et ses défis, et dans l'attente confiante en la vie éternelle qui lui est promise là-haut. Alors le chœur initial reprend de voix en voix le début d'un verset de la fin de l'évangile de Marc, « Qui croira et sera baptisé sera sauvé ». J'en parlerai plus tard dans la prédication. Ce qui est intéressant, et j'y reviendrai aussi plus tard, c'est que contrairement à son habitude, cette parole qui est censée être une déclaration de Jésus, Bach ne la confie pas à la voix de basse solo, mais au cœur tout entier des fidèles, au cœur tout entier. John Eliot Gardiner parle à ce propos d'une affirmation commune de la foi des fidèles. Puis on peut noter aussi que dans ce mouvement, les violons et puis le chœur font écho à plusieurs reprises par un thème en notes répétées à un autre cantique luthérien, Dies sind die 10 heiligen Gebote, allusion aux 10 commandements de la loi, qui sont les balises d'une vie conforme aux volontés de Dieu. L'air de ténor qui suit, nous allons l'entendre tout à l'heure, est caractérisé par une douceur et sereine, soulignée encore par le violon qui accompagne la voix pour évoquer la foi en l'amour qui est donné
en Jésus. Sérénité et douceur. Quant au mouvement central de la cantate, il reprend une strophe d'un ancien choral bien connu et populaire de l'Épiphanie, « Wie schön leuchtet der Morgenstern ». C'est le brillant étoile du matin dans nos psautiers que nous chanterons d'ailleurs tout à l'heure. Bach développe ce choral sous la forme originale d'un duo, duo soprano-alto, qui célèbre le bonheur que procure aux fidèles le lien d'amour qui est promis entre le Fils de Dieu et celui ou celle qui se fie à lui. Il est mon trésor, il est mon bien, et moi, je suis à lui. Après un bref récitatif qui souligne que l'humain n'obtient pas et ne reçoit pas le salut par ses œuvres, si recommandables qu'elles soient, mais par la foi, l'air plein d'allant de la basse, dialoguant avec le hautbois, évoque le vol des oiseaux. Vous l'entendrez tout à l'heure. Le vol des oiseaux, pourquoi? Eh bien, pour illustrer cette foi qui donne des ailes à l'âme afin qu'elle s'élève jusqu'au ciel. Et on arrive ainsi au choral final, qui reprend la cinquième strophe d'un ancien cantique luthérien, « Ich danke dir, lieber Herr, je te rends grâce, cher Seigneur », demandant à Dieu de lui donner de croire en Jésus-Christ, l'assemblée des fidèles se fie à sa promesse de pardon qui délivre du poids de nos péchés. Voilà un peu un survol de cette cantate dont nous allons à présent entendre l'air de ténor, sérénité et douceur. Et maintenant
Par pur amour, il m'a inscrit dans son livre de vie. Et la foi est le gage de l'amour de Jésus qui prend soin des siens. C'est en nous appuyant sur cet amour que nous pouvons nous présenter à Dieu tel que nous sommes. Oui, Père, nos vies sont tissées de contrastes, des rires et des larmes, des rencontres et des séparations, des deuils et des naissances. Il arrive ainsi que nos yeux soient incapables de voir les signes de renouveau, les signes de promesse que tu dissémines à fleur de notre quotidien. Il arrive que les malheurs et la souffrance nous heurtent et nous révoltent, à tel point que nous doutons de toi. Face aux violences gratuites, face à l'innocence bafouée, face aux catastrophes naturelles. Alors ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs pour que nous percevions les traces de ton passage, de ta miséricorde et de ta bienveillance. Fais de nous des relayeurs de ton pardon, des artisans de paix et de conciliation. Rends-nous confiants en l'être humain, malgré ses peurs et ses faiblesses, ses erreurs et ses aveuglements qui sont aussi les nôtres. Éclaire-nous de ta lumière pour que toujours encore nous reconnaissions l'amour plus fort, plus tenace que la mort et le mal, et que nous témoignions ainsi de ta résurrection et de la vie nouvelle qu'annonce l'Évangile. Car c'est en ta parole que nous mettons notre confiance. Je suis lumière dans le monde. Qui marche à ma suite n'errera pas dans les ténèbres. Il sera dans la lumière qui conduit à la vie. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Et cette lumière de Dieu dans nos vies, eh bien, je vous invite à la chanter maintenant par la première strophe du chant numéro 206.
Prions encore le Seigneur d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à sa parole. Dieu notre Père, ta parole est source de vie et des témoins au fil des siècles, inspirés par toi, en ont tracé le livre. Donne-nous aujourd'hui, à l'écoute de ta bonne nouvelle, de recevoir celle que tu veux nous transmettre pour ce jour, pour notre vie et pour que nous en témoignions dans le monde qui nous entoure. Nous te le demandons en ton Fils, Jésus-Christ, parole de vie. Amen. Nous lisons l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un peu d'histoire pour commencer. Le 3 décembre 2000, au temple de Champel, nous célébrions l'entrée dans le temps de l'Avent par un culte centré sur la cantate 61, Nun komm der Heidenheiland. Nous l'avons chanté au début, le choral. Nous entrions ainsi dans une nouvelle année liturgique, porté par une musique qui appelait dans la joie et la confiance la venue de Jésus, Sauveur du monde. Aujourd'hui, 22 ans plus tard, nous voici rassemblés à nouveau pour un premier dimanche de l'Avent, mais c'est pour le dernier, sauf imprévu, pour le dernier culte cantate de la paroisse. La paroisse qui est devenue entre-temps celle de Champel-Malagneau, celle de la rive gauche urbaine. Et à l'ordre du jour, cette cantate « Wer da gläubet und getauft wird » destinée au jour de l'Ascension. Mais l'Ascension, c'est une fête qui marque justement la fin d'un temps, la fin d'une présence, celle de Jésus aux côtés des siens.
sans que je veuille faire la comparaison entre la présence de Jésus dans ce monde au milieu de ses disciples et des cultes cantates. C'est une coïncidence symbolique étonnante avec ce dimanche qui met fin à 22 années rythmées par deux cultes cantates annuels, l'un en novembre, prélude aux festivités de la Nativité, et l'autre en mars, dans ce temps du carême qui nous oriente à la Passion et au matin de Pâques. Ainsi, de décembre 2000 à aujourd'hui, nous aurons eu plus de 40 célébrations en musique, interrompues uniquement par les restrictions dues au Covid. Mais ce qui m'a frappé en repensant au 3 décembre 2000, c'est le contraste entre ce que nous vivions alors et notre situation présente. Et pas à cause des cultes cantates. Nous étions alors pleins d'espérance, pleins d'attentes confiantes au seuil d'un nouveau millénaire. Rappelez-vous, le 21e siècle allait commencer le 1er janvier 2001. Pas 2000, 1er janvier 2001. Plein d'attentes, plein d'espérance. Mais à peine 9 mois plus tard, un certain 11 décembre 2001, la destruction impensable des tours jumelles de New York, près de 3000 morts, qui nous ont fait entrer dans une période troublée d'attentats et de violences, provoquées notamment par le fanatisme religieux. Et dès lors, ce début de millénaire a surtout été marqué par le dérèglement climatique, par une pandémie planétaire qui aurait mis en question nos habitudes ou nos modes de vie. Et puis en février dernier, soudain, l'Europe fut replongée en plein temps de guerre avec l'invasion de l'Ukraine, avec des images de destruction et d'exode que nous pensions révolues depuis 1945, ou en tout cas depuis 1989, avec la disparition du mur de Berlin et du rideau de fer. À l'attente joyeuse et confiante d'une ère nouvelle qui devait survenir, a ainsi succédé un temps d'incertitude, un temps de menace, menace sur notre avenir immédiat ou plus lointain. Et en ce sens, une cantate du jour de l'Ascension me paraît particulièrement opportune pour évoquer un temps qui n'est plus, ou en tout cas un temps qui n'est plus aussi sûr, plus aussi lumineux que naguère ou jadis. Nombreuses sont les personnes, il y en a sans doute parmi nous aussi, nombreuses sont les personnes qui voient avec appréhension venir les fêtes de cette fin d'année et l'année nouvelle 2023. Bien sûr, en Ukraine et ailleurs dans le monde, bien plus encore que chez nous. Comment vivre ou survivre les mois prochains? De quoi se nourrir? De quoi se réchauffer? De quel malheur? De quelle violence menacée ou victime? Et surtout, quand sonnera enfin cette heure espérée de paix et de sécurité, voire de prospérité qu'annoncent les Écritures? À ces interrogations, à ces inquiétudes, la cantate de ce matin peut nous aider, si ce n'est à trouver une réponse certaine et définitive, du moins à les affronter avec un peu plus de confiance et un peu plus de conviction. Qui croira et sera baptisé sera chaud et sera sauvé. C'est le titre de la cantate, c'est ce que chante le chœur initial. Cette phrase, reprise de voix en voix, est tirée des dernières lignes de l'évangile de Marc. Mais dans l'évangile, ce verset n'est que la première partie. La suite, qui ne croira pas sera condamné. Après la promesse, le jugement. Cette parole à double tranchant est tirée d'une conclusion d'évangile
qui n'est certainement pas celle de l'évangéliste Marc lui-même. Car l'évangile de Marc à l'origine s'achevait de manière surprenante par l'annonce faite aux femmes dans le tombeau vide de Pâques, « Celui que vous cherchez, Jésus, est ressuscité, il n'est pas ici. Mais allez dire à ses disciples qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. » Et Marc de conclure son évangile de manière vraiment surprenante en disant que les femmes s'enfuirent du tombeau, effrayées, hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Ah, cette fin aussi paradoxale, proclamant l'absence de Jésus, ne manqua pas de dérouter ou même de choquer les fidèles de l'époque. Alors on lui a bientôt ajouté une autre fin, ou plus exactement trois fins différentes, dont les manuscrits anciens gardent les traces discordantes. Et plus tard, l'Église a retenu l'une de ses conclusions pour en faire la fin canonique de l'Évangile, celle que nous trouvons dans la plupart de nos Bibles, parfois, dans les meilleures Bibles, avec une petite note en marge qui en indique le caractère secondaire. Ce n'est jamais qu'une conclusion plus acceptable, plus conforme au catéchisme et à la confession de foi. Et je me demande si Bach n'avait pas deviné que cette parole qui affirmait le salut des croyants baptisés et la condamnation de tous les autres ne pouvait pas être de Jésus, ni de Marc, premier évangéliste, mais que c'était là une conviction de l'Église. Je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle, contrairement à son habitude, il ne l'a pas confiée à la voix de basse solo, comme si c'était une parole de Jésus, mais au cœur tout entier, comme une expression commune de la foi des fidèles. Alors pour la prédication de ce matin, plutôt que cette parole qu'on a ajoutée à l'évangile de Marc, j'ai retenu les dernières lignes que nous venons d'entendre de celles de Matthieu. Elles lui ressemblent, mais elles sont différentes. C'est un message d'universalité. Allez dire à toutes les nations mon message et faites dans toutes les nations mes disciples. Il n'y a pas de condamnation. La transmission de l'Évangile à toutes les nations s'accompagne du baptême, baptisez-les, et de l'appel à garder tout ce que Jésus a commandé. Et peut-être Bach avait aussi ce texte à l'esprit lorsque, dans le même cœur initial, il fait allusion à plusieurs reprises aux notes du choral « Dies sind die zehn heiligen Gebote », allusion aux 10 commandements. Quant à la reprise, dans la pièce centrale de la cantate, le duo soprano-alto, la reprise d'une strophe du choral « Wie schön leuchtet der Morgenstern »« Brillante étoile du matin », est-ce qu'elle ne serait pas, dans l'esprit de Bach, un écho à cette promesse du Christ ressuscité qui conclut l'évangile de Matthieu « Et moi, dit Jésus, je suis et je serai avec vous » tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Par ce choral de l'Épiphanie, cité au cœur de la cantate, nous sommes ramenés de l'ascension du Christ à ce temps de l'Avent, à ce temps de l'attente, où nous nous apprêtons à célébrer la venue du Fils de Dieu, à célébrer la venue de cette étoile lumineuse qui est prémisse d'un temps nouveau de grâce sur la terre des humains. Un message de réconfort, un message d'espérance pour notre temps et pour notre situation actuelle, alors que l'année s'achève bientôt sur un monde troublé, traversé d'inquiétudes et de violences, personnelles ou communes, notre avenir est tenté d'incertitudes. Si l'ascension est synonyme d'un départ, si elle annonce la fin de la présence physique et visible de Jésus au milieu des disciples, et si l'évangile de Marc s'achève sur l'absence de Jésus et le silence épouvanté des femmes, le dernier mot des évangiles n'en reste pas moins à la promesse que nous ne sommes pas
et que nous ne serons jamais abandonnés de Dieu. Que nous ne sommes pas et que nous ne serons jamais privés de son secours et de sa bienveillance. Et de cela, Marc et Matthieu, chacun à sa manière, en témoignent. L'un comme l'autre annonce que Jésus vit et qu'il marche au-devant de nous sur nos chemins de chaque jour. Même si nous ne pouvons encore le voir, même si nous ne pouvons le toucher. Il vous précède en Galilée, comme il vous l'avait dit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. Bientôt s'achèvera cette année marquée par le retour de la guerre sur notre continent et par nombre de violences ou de catastrophes naturelles ailleurs. Une année qui aura aussi vu la disparition, entre autres, d'un visage presque centenaire qui personnifiait la stabilité et une sorte de sérénité à toute épreuve, Élisabeth, reine d'Angleterre et du Royaume-Uni, fin de plus de 50 ans de règne. Et bien, c'est par un message de son père, le roi George VI, que j'aimerais conclure. Le message qu'il adressait à son peuple la veille de Noël 1939, alors que s'accumulaient comme de noirs nuages les menaces de la guerre. Au seuil d'une année nouvelle, avec son flot d'incertitudes, le roi citait quelques lignes d'une poétesse anglaise de son temps, le début d'un poème intitulé « God knows, Dieu sait ». J'ai dit à l'homme qui se tenait à la porte de l'année, « Donne-moi une lumière pour que je puisse m'engager d'un pas assuré dans l'inconnu. » Mais il me répondit, « Va dans l'obscurité, avance, et mets ta main dans la main de Dieu. Ce sera mieux pour toi qu'une lumière, plus sûr qu'un chemin que tu connaîtrais à l'avance. Je suis, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des jours, disait Jésus à ses amis, à ses disciples. Et il leur demandait d'annoncer cela à tous. Eh bien, aujourd'hui encore, il nous précède, il marche devant nous, sur les chemins de toutes les Galilées du monde. Nous ne sommes pas, nous ne serons pas seuls. Amen. Thank you.
Cette dernière phrase du choral, dont nous avons entendu une version fleurie, pas par le duo, cette gamme descendante, ewig soll mein Herz in loben, éternellement mon cœur lui rendra gloire, le louera. Elle était déjà dans la première mesure du premier mouvement, au violoncelle, et dans la deuxième ligne des basses, dès le premier mouvement. C'est comme une phrase qui soutient, qui traverse cette cantate. Et c'est cette assurance-là que nous faisons nôtre en nous adressant à Dieu dans la prière. Dieu du temps, Dieu de l'histoire, Dieu de la mémoire et de la promesse, enseigne-nous à vivre avec et dans le temps. Donne-nous d'aimer le temps dans ses dimensions d'instant et d'éternité. Donne-nous d'aimer le temps passé, qu'il soit pour nous mémoire et reconnaissance plutôt que nostalgie. Qu'il soit sève et sagesse de vie plutôt que relique et idolâtrie. Donne-nous aussi d'aimer le temps à venir. Qu'il soit pour nous destination choisie et maintenue plutôt que destin à subir. Qu'il soit promesse qui rassemble plutôt que rétribution qui divise. Donne-nous surtout d'aimer le temps présent. Qu'il soit dans nos mains comme une pâte à pétrir plutôt que du sable fuyant entre nos doigts. Qu'il soit ébauche de solidarité sur terre plutôt que propriété à préserver. En ces temps marqués de guerre et de violence, d'intolérance et d'inégalité, enseigne-nous à dire merci pour hier et pour les temps passés. À dire oui, oui, qu'il advienne pour demain et pour les temps à venir. Et surtout à dire me voici, nous voici pour aujourd'hui et pour le temps présent de l'humanité. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et donne-nous maintenant d'unir nos voix et nos cœurs pour te redire ensemble la prière que le Christ enseignait à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment des annonces. En fait, j'en ai une, mais je donne d'abord la parole à Didier qui veut annoncer un changement parmi les solistes. Parmi les solistes, Madame Christelle Endevel qui fait chanter ce matin a le Covid. Elle n'a pas retenu tout le communiquer à tous, ce qui aurait été à sa manière un acte de charité chrétienne, mais donc je remercie Madame Nina D'Angelella de l'avoir remplacée à la dernière minute pour permettre à la belle tenue de cette cantate. Nina D'Angelella qui a été chantée alto. Merci. Merci. Je sais. Nous aurons encore l'occasion d'applaudir à la fin du culte. J'ai aussi une annonce de changement à vous faire de la part d'Emmanuel Fuchs, le pasteur titulaire. Mardi à 18h15 à Malagnaud, ici, pour le prochain des grands textes de la Bible, ce n'est pas lui qui sera là avec un texte de la Genèse, sauf erreur, sur Abraham, mais ça sera Vincent Schmid avec une réflexion sur les 10 commandements que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, nous allons chanter et nous allons chanter un cantique de l'Avent dont Didier Godel est l'auteur et que vous avez sur les feuilles de culte. Thank you.
Dans le prolongement du cantique de l'Avent de Didier Godel, une confession de foi inspirée d'un texte de mon collègue Daniel Nézer, qui fut autrefois pasteur à Champel. Nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons en lui comme celui dont nous vient Jésus. Nous croyons en Jésus, l'enfant, qui préside à notre naissance toujours nouvelle et nous appelle à une vie nouvelle. Nous croyons en Jésus, la parole incarnée, qui ouvre notre intelligence et nous appelle à des responsabilités nouvelles. Nous croyons en Jésus, l'innocent crucifié, qui lève nos culpabilités et nous appelle à une liberté nouvelle. Nous croyons en Jésus, le Christ, le vivant, le premier-né d'entre les morts, qui veille sur notre avenir et nous appelle à une humanité nouvelle. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, son Fils. Ils sont la source de l'Esprit qui nous éclaire et nous fait vivre. Amen.
comme parole d'envoi ces réflexions du pasteur Michel Wagner. J'attends la consolation de mon peuple. J'attends le Messie des prophètes. J'attends dans le clair-obscur de notre histoire que vienne l'aube de son règne. J'attends le premier labour du soc forgé d'épées, les noces de justice et d'épée et de paix. Et moi, dit le Seigneur, moi j'attends que tu aies fini d'attendre. J'attends que tes mains de prière et de labeur dénouent les ronces de l'injustice et la brume du désespoir. Alors sur cet étroit chemin, tu entendras mes pas et tu verras en marche l'attente de ta foi. Et je vous invite à vous lever pour un dernier cantique sur la mélodie de « Wie schön leuchtet der Morgenstern »« Voici l'étoile du matin ». Cette strophe qui est inspirée de ce que nous avons entendu chanter tout à l'heure par le soprano et l'alto, ce sont les mêmes paroles adaptées pour être chantées. Sur cette... Et recevons de Dieu la bénédiction, que l'amour de Dieu, notre Créateur, notre Père, que la grâce de Jésus-Christ, pleinement Fils de Dieu et pleinement compagnon en humanité, et que l'Esprit-Saint, source inépuisable de foi, d'espérance et d'amour, que Dieu nous garde, que Dieu nous guide. Jamais nous n'avancerons seuls. Dieu est en Christ avec nous. Amen.